Salut à tous, chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de La Grande Question. La Côte d'Ivoire, à l'instar de bien de pays africains, a connu cette année, ces dernières années, la visite de plusieurs hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des bishops, des archibishops, en tout cas, tous ceux qui ont reçu un message ou qu'on a senti recevoir un message pour la Côte d'Ivoire sont passés par ici pour apporter leur révélation, leur vision et leur bénédiction aux Ivoiriens. Cependant, une constante dans tous ces programmes, ici et là, les offrandes. Parfois, nous en avons jusqu'à 6, 7 offrandes, avec des objets vendus et des programmes de dîner organisés pour les hommes de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce réellement pour la bénédiction de l'Église du Seigneur ou alors la venue de ces hommes de Dieu est un réel business? Pour répondre à cette question, des invités sur ce plateau. Prophète Niaoré Roland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le principal du centre chrétien Parole de Vie et vous êtes à votre première participation à cette émission. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Nous avons le prophète Ekra Patrick, président des églises Royal Church. C'est bien ça. Les églises royales, c'est bien Royal. Ça. Et nous avons l'évangéliste Jonathan Gba qui n'est pas nouveau à Béni TV, un visage que vous connaissez, mais qui a sa première participation à cette émission. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de la conférence des jeunes serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, président des missions Tabernacle des vainqueurs, et vous avez été coordinateur de la venue de l'évangéliste Benny Hinn et aussi de l'archbishop Duncan William. Et en face, nous avons le prophète Zopo Marc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des églises, de l'église MPE Bethel Côte d'Ivoire, oui, et la communauté de Yopouron que vous dirigez. Et vous avez été coordinateur de la venue du prophète Okafor au stade de la BAE il n'y a pas très longtemps de cela. En tout cas, merci beaucoup d'être tous sur ce plateau. C'est vrai que nous avons posé le diagnostic de ce dont nous allons parler. La Côte d'Ivoire a reçu énormément de serviteurs de Dieu. Mais un constat que nous faisons tout de suite rapidement, c'est la plupart de ces serviteurs de Dieu sont des anglophones. Alors je voudrais savoir pourquoi cela. Juste une petite question, évangéliste Jonathan Gba. Pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu qui viennent sont des anglophones? Est-ce que les francophones n'ont pas toutes ces choses-là? Si, il faut dire qu'il y a beaucoup de potentialités au niveau des francophones. Mais c'est bien entendu un constat que je pourrais dire triste, hein? Triste de savoir qu'il n'y a que des anglophones qui sont invités, sinon parmi des hommes de Dieu francophones, nous avons des calibres, mais je pense que cela aussi dépend du réseau de ceux qui les invitent. Justement. Cela dépend du réseau de ceux qui les invitent. Alors, vous parlez des réseaux, on en parlera tout à l'heure. Alors, prophète Niaoré, oui, vous avez aussi fait ce constat, certainement. Oui, j'ai fait ce on constat. On reçoit beaucoup plus de serviteurs beaucoup de Dieu plus d'hommes de Dieu anglophones viennent en Côte d'Ivoire. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas des francophones aussi que Dieu utilise? Et c'est le même constat pour vous, prophète Ekra? Bon, moi, je pense que l'origine de l'orateur qui vient n'est pas trop important. C'est ce qu'il apporte, c'est ce qui compte. Donc, l'impact de cet homme de Dieu qui vient. Est-ce qu'il y a un réel impact dans l'avenir de ces hommes de Dieu? Ou bien il y a autre chose qui est derrière? C'est ça qui est le plus important. Et je crois qu'on est là pour en parler. On en parlera. Ouais. Prophète Marc Zopo. Zopo. Oui, je pense que je suis aussi d'avis avec mon frère Jonathan. Et il y a vraiment véritablement l'arrivée de beaucoup d'hommes de Dieu, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes venus un peu de l'extérieur, et des francophones, et des anglophones du moins. Mm-hmm. Et je pense que ce débat est bien tombé, est bien nommé ce jour, afin que nous parlons réellement. Est-ce que ces hommes de Dieu
ils viennent effectivement pour apporter un plus au corps du Christ en Côte d'Ivoire? Si oui, on en parlera. Si c'est un business aussi, on en parlera. Alors, moi ouais. Je vous prends tout de suite, je vous reprends la parole. Oui. Vous qui avez été coordinateur de la venue du dernier que... Enfin, nous, on le parle par rapport à Béni TV, d'autant plus que vous communiquez énormément sur une autre chaîne et ça nous fait plaisir, ça je ne vous le cache merci pas. Merci beaucoup, merci. Ça nous fait plaisir merci. Que vous communiquez. Merci, merci. Alors, la venue de cet homme de Dieu en Côte d'Ivoire, vous en avez été le coordinateur. Alors, vous posez le problème, c'est à nous de vous le demander. Pourquoi, qu'est-ce qui motive le choix de ces hommes de Dieu? D'abord, dans un premier temps, je pense que ce qui nous motive, c'est d'abord la qualité. Quand je parle de la qualité, je parle de la personne de l'homme de Dieu qui, d'abord, dans sa communauté, dans sa nation, qui impacte par son ministère sa nation. Et tout de suite, à nos saints, nous avons des serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu, qui, avec le réseau qu'ils ont avec des pères à l'extérieur, entrent facilement en contact avec ces hommes de Dieu. Il y a un principe clair qui est posé. Et le but de l'arrivée de ces hommes de Dieu, c'est pour apporter le réveil. C'est pour donner un plus aux enfants de Dieu et au corps du Christ, afin que les dirigeants, les appelés, ceux qui sont à la tâche pour le service de Dieu, puissent œuvrer, enfin, du témoignage de celui qui vient, puissent prendre pour exemple, et que celui-là aussi soit un modèle pour permettre à ceux qui sont là de connaître véritablement ce qu'on appelle la croissance. Parce qu'en toute chose, il faut une croissance. Et le but de leur venue, c'est que l'Église doit connaître une croissance. Mais il y a un hic. Il y a véritablement un hic. Et moi, sincèrement, je suis là face à une équation où souvent, il y a des questions qu'on me pose. Il y a véritablement des questions qu'on me pose. Pour dire, mais vous les hommes de Dieu, là, vous faites venir des hommes de Dieu, vous nous appelez pour dire, ils doivent prier pour nous, ils doivent nous apporter quelque chose, vous passez sur les chaînes de télévision, et dit que ces hommes de Dieu doivent nous apporter la guérison par le ministère, par l'onction. Et lorsqu'on arrive, on nous dit, apportez 15 000, apportez 20 000, okay. Apportez 30 000. Là, vous mettez tout de suite les pieds dans le plat. Oui. On y viendra tout à l'heure, prophète Zoko. On y viendra. Oui, prophète Eka. Ce que le prophète Zoko dit, et le plus important, c'est de faire un constat. Il y a un constat qui est clair, c'est que certaines personnes invitent des hommes de Dieu qu'on appelle des best speakers, qui viennent d'à travers le monde, qui arrivent en Côte d'Ivoire et dans certaines nations, et on dit qu'il y a un impact qu'ils apportent. Bon, quelles sont ces personnes qui les invitent? Est-ce des individus? Est-ce des fédérations? Souvent, on ne définit pas exactement qui les invite. Très souvent, c'est certaines personnes qui ont des contacts qui les invitent. Et puis, dans la précipitation, on fait aller toutes les fédérations dans l'organisation de la venue de cet homme de Dieu-là. Donc, il y a un réel problème. Le problème, il est là. Et ce qui fait qu'il y a des dérapages, comme il a tenté de le dire tout à l'heure. Pourquoi on les invite? L'Église a besoin de quoi? L'Église dans une nation a besoin de quoi? Quels sont les besoins de l'Église qui font qu'on a besoin que telle ou telle personne vienne? Quels sont les besoins d'une nation qui font qu'on a besoin que telle ou telle personne vienne? Et ensuite, on peut faire un constat bien clair pour voir dans quel domaine on a besoin de ces personnes-là et dans quel domaine on veut qu'ils nous apportent. Très souvent, c'est fait sur le tas et on ne sait pas exactement pourquoi ils viennent. Ils viennent à cause de leur nom. Ils viennent alors à comme, cause. Comme l'a dit, comme l'a dit l'évangile, je pense que c'est le réseau. C'est le réseau des hommes de Dieu de façon individuelle. Depuis la sortie de crise en Côte d'Ivoire, depuis 2010, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire une fédération qui ait invité un homme de Dieu. Mais tous les programmes auxquels nous avons assisté étaient des invitations personnelles, mais donc, comme le prophète Ekra pouvait le dire tout à l'heure, dont les associations et les fédérations, par derrière, ont apporté le soutien. Donc, je veux dire, la motivation ne regorge pas des différentes associations ou fédérations, mais la motivation qui permet à ces hommes de Dieu de venir regorge la responsabilité de ceux qui les invitent. Alors, donc, ceux qui les invitent, quels sont les contacts qu'ils ont? Ce sont des hommes qu'ils connaissent ou ce sont des hommes qui leur sont recommandés? À partir de quoi tel choix est porté sur tel ou tel?
Bon, les recommandations sont des personnes qui ont vraiment des contacts personnels avec ces personnes. Bon, pas forcément des contacts personnels parce qu'on a assisté ici à l'organisation dans des programmes où Jonathan, on s'est rendu compte Jonathan, que... Jonathan, il ne faut pas dire que ce n'est pas des contacts personnels. Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il y a des contacts personnels, si ce n'est pas des contacts personnels, où les enlever? Où ils quittent? Où ils viennent s'il n'y a pas de contacts personnels? Non, mais parce que quand on veut parler de contacts personnels, je vais dire, il y a certains qui sont recommandés. Je prends un exemple. Comme la venue de l'évangéliste international Béni Inissi. Ben, celui qui l'a fait venir ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il n'avait jamais rencontré de toute sa vie Béni In. Mm-hmm. Donc c'est par les médias, par l'intervention des personnes interposées, hein, qu'il a pu faire venir Béni In. Donc on ne pourra pas dire forcément qu'il y a une intimité réelle entre l'inviteur et l'invité. On ne peut pas parler d'intimité réelle. Par contre, il y a des cas. Quand un homme de Dieu vient, et quand une fédération accompagne l'organisation de ce programme, c'est-à-dire que la fédération cautionne l'organisation de l'homme de Dieu qu'on fait venir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai assisté à un élément à la télévision. Ils ont dit, l'homme de Dieu qui est arrivé ce matin, quand je l'ai rencontré, il a prié pour moi, ma vie a changé. Mais laisse-nous constater que ta vie a réellement changé. Nous vous invitons à ce programme. Plein d'hommes sont partis. Alors, vous regardez, quand vous voyez ces hommes de Dieu, vous dites, ce sont des personnes qui ont eu des contacts personnels avec ces hommes de Dieu qui les ont invités. Ou alors, vous dites, mais ce sont peut-être des gens qui les ont recommandés. Comme tout à l'heure, l'évangéliste l'a dit, il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas. Je voulais recentrer les choses. C'est-à-dire, ceux qui les invitent, quelles sont les motivations de ces personnes Quelles sont les contacts? Pourquoi on invite tel ou tel? Quels sont les contacts? Est-ce que ce sont des recommandations ou des contacts personnels? Ce sont des contacts personnels. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de motivation. Maintenant, quand on les invite, on dit qu'un réveil va se produire. Mais on ne sent pas l'impact après leur passage. Je ne suis pas tout à fait d'accord du fait qu'on puisse généraliser sur la venue de tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ici, du fait que ce soit un contact personnel. Parce que moi, j'ai été témoin, hein, pas témoin oculaire, mais témoin palpable de la venue de Béni In, quand même l'un des programmes que j'ai eu à coordonner. Je sais que celui qui l'a fait venir n'avait pas un contact particulier avec Béni In, mais ça a été une recommandation. Voilà, c'était une recommandation. On pourrait parler encore d'autres hommes de Dieu qui sont venus. Donc, je veux dire, c'est pas des témoignages, je veux dire pas des médias à l'extérieur. C'est-à-dire, un tel homme de Dieu regarde à travers les médias ou bien une information si tel homme de Dieu qui est à l'extérieur, qui fait du boom, sans chercher à savoir les détails de la crédibilité du ministère de l'homme de Dieu entre en contact parce que pour lui, bon, voici, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la popularité, je vais chercher à le faire venir. Donc, la plupart des venus sur ce sujet. Je suis scandalisé parce que, effectivement, comme je le disais dans l'introduction, on a un réel problème en Côte d'Ivoire. Et surtout l'Église, parce qu'on ne connaît pas le besoin de l'Église. Et quand on ne connaît pas le besoin de l'Église, d'une Église même, telle que Jésus l'a décrite, ça crée ce problème-là. Des individus se lèvent et veulent impacter une action. Mais l'impacter comment? Avec eux, leur manière de voir, avec leur philosophie, avec leur doctrine. Donc, on ne connaît pas le besoin de l'Église. L'Église en Côte d'Ivoire et dans les nations a besoin de quoi? Pourquoi on fait venir un homme de Dieu? Il vient pour accomplir quoi? Quand vous parlez de « on ne connaît pas le besoin de l'Église », est-ce que le besoin de l'Église dans une nation est déterminé par tous les hommes de Dieu de la nation ou est déterminé par la vision de chaque homme de Dieu de la nation? Mais je veux dire que Dieu intervient dans la vie de chaque homme de Dieu en fonction de la vision qu'il lui confère. Voilà, en fonction de la vision qu'il nous confère. Donc, je ne peux pas dire quel est le besoin. Quand vous parlez de quel est le besoin de l'Église dans une nation, mais le besoin de l'Église dans une nation est déterminé par la vision de chaque homme de Dieu reçoit de Dieu. C'est une grosse erreur, ce que tu dis. Ce que tu dis est vraiment grave, parce qu'on a l'antenne et puis tout le monde nous suit. Oui. Il y a une seule Église. Oui. Il y a une seule Église, celle de Jésus-Christ. Et elle a un réel besoin. Et ce besoin, on peut le constater. Et l'un des problèmes allez-y, de l'Église... Dites-moi le besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est dans une ivresse. Mm-hmm. Et l'Église tangue. Et on ne sait même pas où l'Église va. Quel est l'objectif de l'Église, tel que Jésus l'a défini?
Qu'est-ce que l'Église doit faire pour impacter les nations? Et l'un des problèmes de l'Église, c'est un problème de leadership et des ministères. Parce que les leaders même sont mal formés, les ministres même de Dieu, ça même pas qu'est-ce qu'on appelle le service de Dieu. Certains ministres de Dieu, mais tu ne peux pas te permettre de dire mais justement parce que les ministres de Dieu ne peuvent pas être une insulte même à celui qui les a appelés. Je suis en train de dire qu'il y a une carence, il y a une carence énorme dans le leadership, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a une carence. Alors même dans les ministères, il y a un vrai problème parce qu'on ne connaît pas la vision de l'Église telle que Jésus nous l'a donnée. Aujourd'hui, on relègue à un dernier plan les aspects qui sont importants dans l'Église, comme la consécration, la sanctification et même la mission. On fait un one-man show dans l'Église et on appelle ça servir Dieu. C'est un réel problème. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là. Je voulais juste donner la parole au professeur Zopo. Je veux dire quelque chose. Si vous voulez, professeur Zopo, je sais que vous voulez dire quelque chose, mais je voulais juste rebondir sur ce que les uns et les autres ont dit. Alors, tout à l'heure, on a dit que ce sont des contacts personnels. Alors, moi, je me pose la question de savoir ceux qui font venir ces serviteurs de Dieu, si ce sont des contacts personnels, ils sont comptables de tout ce qui se passe ici que ces hommes de Dieu posent comme action. Et je voudrais dire, n'est-ce pas? Je voudrais dire que nous sommes sur ce plateau, respectons les hommes de Dieu, respectons le ministère, respectons nos fidèles. Nous parlons d'un besoin qui est très nécessaire, qui touche même le corps du Christ et qui touche même du plus profond de la Côte d'Ivoire des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là et il y a Jonathan qui nous parle de Bénéhide. Il y a le prophète Zopo qui vous parle de certains hommes de Dieu que je voudrais taire. Moi, je voudrais vraiment taire. Et que j'étais aussi organisateur, coordonnateur. Mais nous parlons ici d'un mot qui est très important. Ça veut dire quoi? La venue des hommes de Dieu anglophones ou des hommes de Dieu que nous recevons en Côte d'Ivoire, c'est-il un business ou c'est par quel principe nous nous basons et nous les faisons venir? Là, tout à l'heure, pasteur Ikra a pris son envol. Il est parti régler les comptes des pasteurs. Il est parti nous parler de la sanctification de ceci, de cela. Certes, moi, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, mais je voudrais dire à pasteur Ikra, ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, nous voyons les grands hommes de Dieu. Nous voyons aujourd'hui Bénéhi, nous parlons aujourd'hui d'un camp, l'arrivée d'un camp, nous voyons aujourd'hui le major Christ au Cafor, nous parlons aujourd'hui de certains grands hommes de Dieu qui sont venus tout dernièrement organisés par certaines fédérations, certains hommes de Dieu. Mais dans le secret, dans le fond, dans nos fonds de villages et de quartiers, il y a des hommes de Dieu qui viennent, sans tout faire qu'on passe dans les médias. Et nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous avons nos fidèles qui sont grugés par l'onction, qui sont grugés par la manière que ces hommes de Dieu viennent servir en Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Mais bon, c'est de ça que nous parlons. Mais je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Ces hommes de Dieu que nous les faisons venir, c'est par quel critère, par quelle motivation nous les faisons venir? C'était la question. Je pense que c'est pas la sanctification. Ouais. C'est pas la manière que tu vas regarder un homme de Dieu et tu diras que c'est parce qu'il n'est pas sanctifié, c'est parce qu'il n'a pas la vision. Professeur, tu ne déplaces pas le pot. Je vous ai dit, c'est pas moi pour ajouter. Moi, je n'ai pas dit au pasteur. Je dirais au pasteur, un instant, que l'Église a des visions réelles. Effectivement, c'est sûr. Qu'il y a des diversités d'actions. Dieu a donné la capacité à chaque homme de Dieu de pouvoir exercer selon son appel. Voilà. Donc, si moi qui suis évangéliste, je ne peux pas avoir la même vision que lui qui est prophète éclair, qui est président des églises royales. C'est pour ça on n'a pas je forcément dis, la même vision. Dis, mais cependant, propos, nous ne disons pas que l'église est divisée, l'église est une. Maintenant, pour revenir à ta question. Oui, non, je prophète éclair. Parce qu'on ne comprend pas. Non, c'est pas le problème n'est pas au lit. Non, on va laisser développer. Je ne suis pas venu ici pour attaquer un homme de Dieu. On a un vrai problème dans l'Église, du leadership. Allez-y. Dans son intervention, ce n'est pas parce que nous sommes appelés des ministères différents qu'on peut faire quelque chose, tout dans le désordre. Non, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu d'ordre. Mais c'est le ministère que le Seigneur suscite. Je veux bien comprendre. Ont un but bien précis. Dans l'objectif
de faire quoi? D'édifier l'Église. Mm-hmm. Donc, les hommes de Dieu que vous faites venir, par exemple, il faut constater le besoin de l'Église. Mm-hmm. Il y a un besoin d'équipement de l'Église. Mm-hmm. Il y a un besoin de maturité. Il y a un besoin où les hommes de Dieu ont besoin d'église ou pas. Au niveau de toutes les églises, il y a un désordre. Pourquoi va venir? Quand les hommes de Dieu viennent, on constate qu'à l'arrivée de ces hommes de Dieu, il y a le déjeuner des hommes d'affaires. Pourquoi? Pourquoi à l'arrivée des hommes de Dieu, il y a le corps du ministère? Ce sont les hommes de Dieu qui ne peuvent pas venir. Ils sont tous de différents ministères et de différentes congrégations. Aujourd'hui, toi, tu es le pasteur Écra. Tu es de l'église royale Church. Ok, tu as une vision, tu as Dieu t'a donné quelque chose de pouvoir conduire là le ministère. Mais ceux-là aussi, ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, la question qui est posée, ils viennent-ils parce qu'ils invitent des personnes extérieures afin d'apporter un réveil ou c'est par amitié, affinité pour pouvoir gruger, etc. C'est en cela que nous voulons parler. Merci. Moi, je voudrais que ce débat soit ouvert. On va le faire. Merci beaucoup, professeur Zopo. Professeur Zopo, merci beaucoup. Je voudrais donc laisser la parole au prophète Niaoré. En réalité, j'ai posé la question de savoir si c'était des affinités ou si c'était des relations. Pour en arriver quelque part, on y arrivera. Tout à l'heure. Prophète Niaoré. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pas qu'on veut attaquer des hommes de Dieu. La vision de l'Église, elle est une. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que, en faisant faire venir ces hommes de Dieu, parce que ces hommes de Dieu, quand ils arrivent, ils s'arrêtent seulement à Abidjan. C'est tout. Le besoin n'est pas Abidjan seulement. Parce qu'on a vu plusieurs programmes. Est-ce qu'on prend ces hommes de Dieu pour les amener, par exemple, à Biankouma, pour organiser des programmes là-bas, pour que des âmes soient gagnées? Pourquoi ils viennent même? Maintenant, ceux qui les font venir, ils les font venir dans quel but? Parce qu'il y a aussi les dîners qui sont organisés pour des hommes d'affaires. Mais les gens de Biankouma aussi ont besoin que les affaires prospèrent. Et on reviendra sur ça. Mais pourquoi on ne les fait pas venir? Maintenant, les gens les font venir par affinité. Et on parle de réveil. Est-ce que le réveil est réellement là? Parce que quand le réveil est dans une nation, ça se voit. Et là, vous ne voyez pas ça encore. On ne voit pas le réveil. On constate que ces hommes de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils ne passent que souvent une journée en Côte d'Ivoire. Je dirais même quelques heures. C'est un scandale. Pourquoi on les fait venir en réalité? Il y en a qui ont fait des programmes de semaine de journée. Oui, bon, des cas d'exception. Non, mais pas des cas d'exception. Des cas d'exception. Aucun homme de Dieu n'est venu s'y faire un jour. Ils ont fait combien de jours? Ce n'est pas important. Le nombre de jours. Il y a besoin de l'Église. L'Église a besoin d'équipement. D'être équipé. Les hommes de Dieu ont besoin d'être équipés en vue de l'œuvre de la mission. Il y a une seule vision, il y a une seule mission, celle de Christ. Moi, j'ai entendu sur ce plateau certains qui ont leur vision. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur donne une seule vision. Mais prophète Écra, dans ce cas, puisque vous dites une seule vision, je suppose que vous devez être d'accord avec ceux qui font venir ces hommes de Dieu, puisqu'ils le font dans l'intention, certainement, d'apporter le réveil en Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, il faut déterminer ce pourquoi ils viennent. Pour déterminer ce pourquoi ils viennent, il faut savoir quel est le besoin de l'Église. En fonction du besoin de l'Église, on peut faire venir des hommes de Dieu. Mais qui va définir ces besoins? Il y a des fédérations, je crois qu'ici, il y a des pasteurs qui sont dans des fédérations. Il y a des fédérations qui existent. En tant que même pasteur et pasteur sur des églises, on invite des collègues. Mais pourquoi on les invite dans nos églises? Parce qu'on constate un besoin dans l'église. On n'invite pas quelqu'un pour venir dans ton église, pour venir prêcher comme ça. Ces gens qui les invitent n'ont pas déterminé le besoin réel de l'église. Voilà, la question qui se pose, quel est le besoin de l'église? Je veux qu'on mette le pied. On va y aller. Donc, Professeur Zopo, je vous pose une question, s'il vous plaît. Alors, on a parlé d'affinité, on a parlé de recommandation. Justement, je me dis, et ça, c'est la question que je me pose depuis le début, et j'espère que vous allez me répondre. Quand on fait venir un homme de Dieu, si c'est par affinité, c'est qu'on suppose que vous connaissez cette personne-là. Vous connaissez son ministère, vous connaissez l'impact de son ministère, vous connaissez son fonctionnement. Mais alors, si aujourd'hui on se plaint, beaucoup d'hommes se plaignent, c'est forcément par rapport à ceux qui font venir ces hommes de Dieu-là. Alors, vous qui avez été coordonnateur de plusieurs programmes, on suppose que ces hommes de Dieu dont vous avez coordonné le programme, vous les connaissiez. Oui. Je pense alors, donc vous avez pris les dispositions pour que ce qu'ils apportent soit un impact réel pour la Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes en train de dire quelque chose où on va tous converger sur un même point. Le pasteur Écra est allé un peu trop vite. Le prophète Écra est allé un peu trop vite.
Et moi-même, je dirais que si je suis sur ce plateau, je suis venu avec une vision. Je suis venu avec une idée. Et mon idée, c'est de défendre l'Église pour l'avenir des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit clair. Allons doucement. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas trop d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'avenir spectaculaire des hommes de Dieu. C'est bête. C'est vrai que je suis là, organisateur de plusieurs événements qui a fait venir les hommes de Dieu. Pourquoi je dis je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que quand nous, par exemple, on fait venir les hommes de Dieu, nous sommes crédibles. Crédibles parce qu'on passe sur les chaînes de télévision. C'est clair. Nous avons fait venir le prophète Christ au CAFOR. Nous sommes passés sur les chaînes de télévision. Et nous avons organisé ces programmes. Les âmes que nous avons gagnées sont réparties dans les différentes églises. Quand nous avons fait venir le Christ au CAFOR à Yopougon, on a convoqué tous les pasteurs de Yopougon. Mais après, j'ai reçu des hommes de Dieu qui sont venus me dire qu'ils ont invité certains hommes de Dieu qui sont venus. Il y a une manière de travailler qui a mis même les pasteurs des églises en ruine. Sans cela, nous parlons. Sans cela, nous parlons ce soir. Et vous êtes comptable de toutes ces choses? Oui, je suis contre parce que... Vous êtes comptable puisque c'est vous qui organisez. Oui, nous sommes comptables, comme vous le dites, c'est nous qui organisons. C'est pour cela que nous décrions la manière et le système que ceux qui veulent copier l'original le font. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que... Non, tu ne peux pas être d'accord parce que tout à l'heure, quand j'ai entendu, j'entendais parler le pasteur Écra, il dit que il dit le constat est net, aucun homme de Dieu est passé en Côte d'Ivoire en fait deux jours. Je lui dis que vraiment, il n'est pas informé. Oui, bon. Lui, il n'a pas rectifié. Il a dit tout à l'heure aussi, oui, il ne comprend pas pourquoi il vienne. Ça, tout de suite, pasteur Écra ne sait pas pourquoi est-ce qu'on peut inviter un homme de Dieu pour venir en Côte d'Ivoire. Faut pas traduire ma pensée telle que je ne traduis pas ta pensée. Je suis en train de débattre. C'est simplement que vous qui organisez et qui invitez des hommes de Dieu, vous les invitez dans quel objectif? L'objectif, il est clair. On va reprendre l'objectif, est clair. On va reprendre l'objectif, il est clair. Maintenant, il a parlé d'un aspect. S'il vous plaît, on va répondre à cette question tout à l'heure au retour de cette pause que nous faisons maintenant. À tout de suite, chers téléspectateurs.